Hey Queen and King, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est à peine 7h du matin, je suis en train de finir de me préparer parce que aujourd'hui, direction Paris. On va à la MEP, c'est la maison européenne de la photographie. Je vais aller voir une exposition qui s'appelle Love Song avec ma meilleure amie. Après cette exposition, il faut absolument que j'aille chercher les déguisements de mon oncle, ma meilleure amie et moi pour l'anniversaire de ma cousine, parce que mon oncle a eu une idée un peu spéciale pour commencer l'anniversaire de ma cousine. Je suis désolée, cette intro de vlog est pas super géniale, je sais, mais j'avais quand même envie de vous commencer ce vlog avant de partir et de vous expliquer en fait tout ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais passer un coup de lisseur, me brosser les dents, et on y va parce que le train il est à 7h44. On a un petit souci, la copine est en retard. Madame n'a pas fait sonner son réveil. Oh, j'ai envie de l'assassiner. Elle est arrivée, enfin. Mais elle s'est fait gronder. Allez, c'est parti, direction l'exposition. Sur tout le monde. Voilà, elle essaie de se faire pardonner. On vient de sortir de l'exposition. On va manger et on va tenter de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de cette exposition, ce qu'on en a retenu. Et, moi, pour ma part, j'ai adoré parce que j'ai vu vraiment l'amour d'une autre façon que ce qu'on essaie de nous présenter à la télé. Et ça, c'est génial. Donne ton avis. J'ai bien aimé l'exposition parce que les photos, on voit vraiment l'évolution des photos par rapport aux années. Ouais. Parce que c'était sur une cinquantaine d'années en plus, je crois. 70 ans. L'exposition, elle s'appelle Love Song. Et c'est une exposition, en fait, de plusieurs photographes qui photographient l'intimité de l'amour. Donc en gros, il n'y a pas de suite logique à cette exposition. C'est juste plusieurs photographes qui, avec leur vision, photographient l'intimité en fait de l'amour. Donc des fois il y a des mises en scène, des fois non. La plupart du temps il n'y a pas de mise en scène en fait. Non, c'est plus sur l'instant présent. Voilà, c'est plus sur l'instant T. Ce qui est super intéressant en fait dans cette exposition, c'est de voir qu'en fait chacun a sa propre vision de l'amour et que chacun incarne en fait sa propre intimité de l'amour. Je vous conseille au moins d'aller une fois à une exposition dans ce genre-là. C'est à la MEP, donc la Maison Européenne de la Photographie. C'est à Paris. Je vais vous mettre l'adresse et le lien en barre d'infos, comme ça vous aurez tout à savoir. Ouais, toutes les informations que vous voulez. Soit tu vas la voir avec une visite commentée, donc avec un monsieur qui va te commenter toute la galerie, tout simplement. Là, on va direction la maison. Là, attendez. On va dans un magasin. Un, deux, trois. Un magasin à la poupée merveilleuse. Voilà. Parce qu'on doit aller chercher des déguisements, comme je vous ai dit ce matin, pour l'anniversaire de ma cousine. On va pas vous dire ce que c'est que les déguisements, parce que si elle regarde, on est foutu. Oui. Lesa, elle va pas être déçue du voyage.
Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, je crois qu'on va juste aller se balader dans Paris. Voilà. Fixez bien ma tête, parce que soit j'ai vu un pigeon, soit j'ai cru que le monsieur en passant à côté de moi allait me toucher. Voyez ce café là ? Et bah au lieu de lire café Georgette, je lis café courgette. On a passé une bonne journée. Ah non, on a passé une bonne journée. La journée parisienne est terminée. Je vais reprendre mon train, je vais rentrer à la maison. Je vais laisser la demoiselle aller s'occuper de ma filleule. Oui. Hein ? La journée a été super. J'espère en tout cas que vous, cette petite excursion parisienne et puis cette petite exposition vous aura plu, parce qu'on va en refaire. Oui, vendredi. Vendredi, mais chut, vous saurez ce que c'est plus tard. On se retrouve à la maison, j'essaierai de vous terminer ce vlog dans de meilleures conditions. Voilà, à tout à l'heure. Prochaine. T'es content? Oui, si tu rentres à la maison. Oui. Oui, Tita. Oui, oui, oui. Tu n'auras pas ma glace. Heureux tout le monde, je suis rentrée à la maison. J'espère vraiment que ce vlog aujourd'hui vous a plu. Que cette petite exposition avec ces petits extraits de cette exposition, ça vous a plu. Le monsieur qui nous a commenté l'exposition, il n'était pas contre pour qu'on prenne des vidéos, pour qu'on prenne des photos, normal. Donc moi j'ai pris autant de vidéos et de photos que possible. Donc pour pas non plus en abuser quoi. Toutes les photos et les vidéos que j'ai prises, vous pourrez les retrouver sur mon Instagram. Je vais mettre un highlight. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Une petite bulle là sur mon profil que vous pourrez retrouver les photos et aussi des extraits des vidéos que vous aurez aussi ici pour ceux qui désirent. Et je vous mets l'adresse d'ailleurs du MEP si ça vous intéresse d'aller voir une de ces expositions. En tout cas, moi je l'ai trouvée vraiment hyper intéressante. Et comme je vous ai dit, c'était une exposition... Enfin, comme Audrey l'a dit, évidemment, c'est comme si en fait on redécouvrait son corps d'une façon plus naturelle en fait. Parce qu'il n'y avait pas de retouche en mode plus comme la télé le veut. Tu vois, c'était vraiment quelque chose de plus sain, de plus naturel. Le 17, j'y retourne et là, ce sera un autre level, les gars. Vous allez avoir pas mal de vlogs d'ailleurs ce mois-ci. Je blablate, je mange ma glace, j'ai la tête un peu ailleurs. Et moi je suis vraiment contente d'avoir pu vous emmener à une exposition de quelque chose en fait qui me plaît et qui me passionne, parce que j'adore la photographie et j'ai trouvé que ce thème en fait c'était vraiment quelque chose que j'aime encore plus, parce que c'est briser des tabous, briser des clichés, briser des choses en fait et montrer juste la réalité. La réalité des choses. Désolée, il y a le chien qui aboie. Je vais vous laisser. Je vais manger ma petite glace. Manger aussi des petites glaces. D'ailleurs, c'est les meilleures, celles-là. Voilà, c'est peanut butter, bretzel et brownie. Je vous laisse. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous le likez, vous le commentez, vous le partagez et vous vous abonnez. Et tu actives la petite cloche, blablabla, pour ne rien oublier et continuer de suivre et d'avoir toutes les notifications pour les prochaines aventures. Enfin, je te laisse. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !